Bonjour, aujourd'hui pour notre escapade artisanale, nous sommes sur le territoire de Trier-Magnoac et nous partons à la rencontre de Benoît, photographe, et Damien Brasseur. Vous me suivez ? Bonjour Benoît. Bonjour Caroline. Merci de m'accueillir dans ton atelier d'exposition. Merci de me rendre visite à Mazerolles. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui se passe ici ? Alors, ce qui se passe ici, c'est que j'expose un peu mon regard sur le monde dans différents pays, dans différents endroits. Et on se trouve ici aussi dans un pays et à un endroit, à Mazerolles, dans les Hautes-Pyrénées, qui a l'air d'être au milieu de nulle part, mais... Quand on regarde bien, comme j'essaie de le rendre compte dans mes photos aussi, on n'est jamais vraiment au milieu de nulle part. Il y a toujours un petit quelque chose, même si on ne les voit pas spontanément. Et je pense que c'est un peu la démarche aussi de mes photos, qui est de rendre compte de ces petits détails de l'existence qu'on voit parfois sans les voir, de restituer ce que j'ai ressenti moi, ce que j'ai perçu au moment où j'ai pris la photo, en fait, quoi, où j'ai cliqué. Tu peux nous parler du livre que tu as fait pour l'exposition ? Oui, alors le livre, c'est de l'exposition, toujours dans cette idée de sortir des écrans, du virtuel, du non-existant, on va dire. C'est vraiment de faire rentrer dans le monde réel les objets concrets. Et donc du coup, j'ai fait le plan dans le virtuel et je l'ai sorti après sur un mur de 2 mètres sur 3. Donc l'idée, c'était vraiment que la couleur assaille un peu, vienne à la rencontre des gens, quoi. Et donc voilà, il y a des livres grand format, petit format, des cartes postales qui existent aussi. Tout ça au-delà de l'activité donc de shooting, de portraits, d'événements et tout ça que je fais aussi en étant basé ici à Mazerolles, en fait. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Caroline. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ta brasserie. Bienvenue. Donc tu es artisan brasseur. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier ? Je produis de la bière, je fabrique de la bière. Et artisan, c'est parce que j'ai une petite brasserie avec de petits volumes que j'écoule sur le local, donc la commune et puis les alentours. C'est-à-dire que je vais chercher des clients avec qui j'ai envie de travailler. Des cavistes, des bars, des épiceries, des biocopes parce que je suis en produits bio. Et comment tu trouves tes matières premières, le houblon, la levure, tu te fournis où ? Ce qui m'a fait devenir artisan brasseur, c'était de pouvoir confectionner des produits, en tout cas des bières de qualité. Donc quand je sélectionne mes produits, globalement, en travaillant avec d'autres personnes artisans du secteur. Donc c'est un peu, pour moi c'est ça, être artisan aussi, c'est faire travailler le local. Donc je vais chercher par exemple un artisan malteur qui est dans le Tarn, je vais chercher du houblon sur des filières qui se relancent, donc dans le Lot, dans le Tarn, mais dans le 64 aussi. Et je vais venir sélectionner mes produits en fonction des caractéristiques que je souhaite sur la bière au final. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce processus de fabrication ? Alors moi, ce qui me plaît, ça va être toute la conception, imaginer le produit comme il sera à la fin et imaginer la conception, choisir les céréales en fonction qu'elles soient sèches, qu'elles soient un peu plus liquoreuses, qu'elles soient ambrées, qu'elles soient blondes. Les goûts qu'on va avoir, des goûts un peu citronnés ou des goûts plutôt de fruits tropicaux. Donc en fait, c'est toute la conception qui m'intéresse. Et derrière, à la fermentation, bon, c'est la levure qui travaille, mais ça va être, on va dire, de goûter les produits à la fin aussi. Merci beaucoup, Damien. Et bien de rien.